quotidien, de leurs préoccupations, qui ressortent assez spontanément et de manière fluide. Au moins, j'ai tenu à ce que les lecteurs connaissent ça. J'ai pensé que leur combat méritait, avait de la valeur, que leur vie, que leur survie devait être reconnue d'une certaine manière. Et donc, j'ai dit voilà, ils méritent d'être. D'ailleurs, j'ai beaucoup cherché un texte de ce style dans mes lectures. Mais non. Donc, je trouvais des fois des témoignages, des autobiographies de personnes qui ont été transplantées dans des pays où il y a les moyens sont très différents.